Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angle Formation. Sur cette série de vidéos, on va voir ensemble les meilleures fonctionnalités, trucs et astuces cachées de Windows 10. Microsoft a marqué un tournant pour Windows 10 avec la mise à jour Creator. En anglais, on l'appelle Creator Update. Bien qu'il n'y a pas eu de mise à niveau révolutionnaire, elle ressemble beaucoup plus à une version mature du système d'exploitation, en particulier avec ses nouveaux contrôles de confidentialité, son mode de jeu et sans oublier aussi le navigateur ou bien le navigateur Edge amélioré. Jetons un coup d'œil sur cette série de vidéos sur les meilleures fonctionnalités, trucs et astuces cachées du système d'exploitation, combiner le meilleur de Windows 8, démarrage ultra rapide, sécurité améliorée, avec une grande partie de ce qui rend Windows 7 familier et facile à utiliser, et sans essayer de vous forcer à acheter un écran tactile ou à prendre un ensemble de fonctionnalités cachées. Cette mise à niveau a fait les choses beaucoup plus faciles. Ce qu'on va voir sur cette vidéo, c'est le mode God Mode. Le God Mode, nommé de manière géniale, propose un menu spécial qui regroupe plusieurs paramètres en un seul endroit. Pour l'activer, il suffit seulement que vous créez un répertoire et vous le nommez avec cette chaîne de caractères. Je vais la mettre sur l'écran, bien sûr, lors de la démonstration. Et il va vous créer une icône. Et lors que vous cliquez là-dessus, vous montre un beau panneau de contrôle avancé. Donc, je vais vous montrer comment faire. Il suffit seulement que vous cliquez avec le bouton droit de la souris, comme ça, et vous faites nouveau dossier. Donc, là, à la place du nom, vous mettez cette chaîne de caractères ED 7BA470 tiret 8E 54 tiret 446 5E tiret 82 5 C tiret 9971 20 43 E 01 C et vous cliquez sur Entrée. Donc, comme vous voyez, l'icône vient d'apparaître. Je vais cliquer là-dessus avec double-clic avec le bouton gauche de la souris. Comme vous voyez, l'ensemble des paramètres sont regroupés ici. Donc, c'est des paramètres administrateurs et aussi quelques paramètres qui sont cachés. Donc, ça vous aide à administrer ou bien à gérer bien votre ordinateur d'une manière professionnelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner, liker cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt!